Bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 4 sur Metro Exodus. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode juste avant, nous sommes allés chercher une sorte de mécanicien là-bas pour réparer un peu l'Aurora qui a ses petits problèmes suite à un contact, hein, ils sont rentrés dans une barrière ou je sais pas quoi. Le mécanicien nous a donc rejoint, j'ai oublié son prénom, bref. Et là, dès que l'Aurora, donc le train sera réparé, le groupe voudrait attaquer une caravane pour pouvoir se camoufler en vendeur et pouvoir passer le pont qui est un petit peu plus loin. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit. Voilà, le pont qui est juste là-bas, là. Et du coup, oui, se camoufler en vendeur. Sauf que pour l'instant, l'Aurora est stoppée. Mais ce que nous allons faire, vu que Katia et sa fille, donc les deux, la femme et sa fille qui sont juste là, nous ont aidés, et ben on va récupérer une sorte de voiture, hein, enfin une voiture, vous voyez ce que c'est, hein, sur les trains, où on va pouvoir accueillir des passagers, des réfugiés, pour les emmener avec nous. Donc écoutez, nous, on est parti. Artyom, tu te rends au terminus ? Hein ? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Ah, encore une chose. Cette tour sur la droite. Ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits. Ils nous surveillent. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Ok. Ah oui, c'est vrai, on peut mettre les jumelles. Ah, attendez, comment on utilise les jumelles ? Donc, en gros, peut-être que ça serait un bon plan d'aller voir cette tour-là, mais nous, en attendant, on doit aller un petit peu plus loin là-bas. Ouh, c'est là ? Non, je crois que c'est là, c'est l'usine qui est juste là. Et le pont est ici. Alors, attendez. Le problème étant que nous avons notre pote là, Duke, qui soi-disant est allé à un wagon proche du pont, mais je vois pas du tout où il est. Bah écoutez, ouais, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, on va faire ça. Donc voilà, c'est le hangar qui est juste là-bas. Ah mais attendez, c'est un bordel monstre, hein. Alors attendez, la tour est juste là, elle est juste en face. Est-ce qu'on tenterait pas le coup? Ça se trouve, ils ont des munitions et tout. Ouais, bon, écoutez, on va se taper les bandits. On va faire ça discreto, sans attirer les Nosalis. Artyom, Nastia voudrait te demander quelque chose. Vas-y, Nastia. Oncle Artyom, tu vas retrouver mon nounou? Oh! Pas si dur. Il y a des démons qui ont élu domicile sur ces réservoirs près du terminus. Tu pourrais pas regarder si sa peluche est pas sur l'un d'eux? Je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'était un cadeau de son père, et elle veut pas partir sans lui. Écoute, j'aurai une dette envers toi si tu y vas. Oh, prends pas trop de risques, hein. Encore une chose, j'ai entendu quelqu'un jouer de la guitare vers cette tour. Elle sonnait bien, non, le guitariste. Oh, une vraie catastrophe. Bon, je sais que c'est dangereux et tout ça, mais si l'occasion se présente, essaie de la récupérer. Hé, hey, vous avez fini d'utiliser la fréquence principale pour les messages personnels? Il a déjà une mission. Alors laisse-le tranquille avec ces conneries. Oh, oui, colonel. On avait fini. Ah, je suis trop coulant avec vous. Allez, repos. Incroyable. Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Donc j'ai compris qu'il faut que j'aille à cette tour pour récupérer une guitare et se débarrasser des bandits, comme ça on est tranquille. Ce sont des oiseaux ça. Faut que j'aille là-bas pour pouvoir récupérer une résine ou une voiture. Ça a l'air d'être ça. Je veux pas être emmerdé par les Nosalis. Donc il y a ça. Il faut qu'on récupère... Et j'ai oublié tout ce qu'ils m'ont dit. Hein. Sachant que, oui, je peux aller voir Duke, qui doit être dans le coin là-bas, sûrement dans ce train-là. Je sais pas, faudrait que je regarde pour donner des infos. Et il faut que je récupère le nounours de la petite à un terminal. Mais attendez, mais j'ai rien d'indiqué, moi, là-dessus. J'ai rien d'indiqué... Ah ! Attendez.
Ah, il y a des petits... D'accord, en fait, il y a des petits sigles. Bon, vous les voyez pas. Mais là, la guitare... là où je vais... D'accord. Ouais, mais je comprends mieux. Bah, attendez, bah, on va tracer, on va niquer la guitare. Ok. Attendez, mais... par contre, Duke, il est où? Duke n'est pas indiqué, par contre. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais juste aller voir dans le train là-bas. Okay. Ici, ça a l'air calme. Progressons. Oh putain, merde, ils m'ont vu. Ok, on entre dans une zone radioactive. Oh. Oh. Une bombe, ah ouais. Ils vont faire le coup tout le long. Non, j'ai cru que c'était un mec. Alors attendez. Artyom, ici Melnik. Je t'envoie les coordonnées de Duke. Il est sur le pont. Il fait des relevés. Va le retrouver. Je te tiendrai au courant de la situation au terminus. Melnik, terminé. Ok, chef. Alors, Duke, où est-il? Bah, je vois toujours pas où il est, hein. Attendez, je vais réessayer. Je vois pas du tout où il est, hein. Très clairement, on verra plus tard, on s'en fout. Alors, attendez, hop. Là, je récupère tout le matos. J'ai l'impression qu'il y a des lumières à chaque fois là. Ah, oh, je vais vriller. Hein. Ok. Ok. Lui, pourquoi t'es par terre? Et cartouche de fusil à pompe. Ok. Ça va me servir à rien, mais on en a. Alors, attendez, vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire que je suis venu juste pour. 2-3 trucs là? Ok, très bien. Alors attendez, inventaire. Où est-ce que... Ah, voilà. Alors regardons 2 secondes. Parce que là, j'ai débloqué pas mal de trucs. Ça, qu'est-ce que c'est? Un laser rouge. Le laser rouge serait utile à quel endroit? Sur le pistolet ou sur la calache? Ouais. Je mettrais ça sur la calache... Parce que l'autre a déjà un viseur. Donc il n'y a rien de... Je peux rien modifier l'autre. Viseur réflexe. Ça veut dire que je l'ai plus ici. Si je l'ai. Ok. C'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Attendez, je me suis trompé d'arme là. Non, c'est bon. Ok. Bah, c'est pas mal. Allez, vas-y, mon coco.
J'entends un démon. C'est pas un démon. Putain, si c'est un démon. Oh, mais y'a des mecs juste là! Incroyable, je les ai pas vus. Mais attendez, mais moi je vais les soulever. Ne me repère pas. Ne me repère pas. Il m'a vu, mais sans plus. Donc là, il y a un gars qui va surveiller. Le démon autour me fait peur. Parce que j'ai pas envie qu'il m'emmerde. Là, je pourrais lui mettre une balle à pompe. Allez, dégage. Ça pue un peu du cul, cette histoire. Ok, le démon s'est barré. Alors attendez, ils vont tous sortir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors ça c'est quoi? C'est des bandits ça? Les trois sont sortis, les trois sont... Les trois sont fucking sortis. Je sais, je peux pas les contourner en fait là. J'aimerais bien me les taper. Ou sinon, je passe sur le côté ici. Je peux tellement lui mettre une balle là. Il s'est rendu. Relax, mec. On est cool. T'inquiète pas, je fouille juste tes potes. Fais chier. Il a fallu te finir dans ce merdier. Ah, en plus, c'était un baraque. Bon, allez, je t'assomme. Boum. Voilà. Je pas. T'as pas été méchant, c'est très bien. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, mon petit. Bon, allez. Hop, on récupère du matos. Récupérer. Ah, c'était ça. Ok. Putain, ils ont pas grand chose. Hein. Ah, ici. Ok. Alors, faisons le point. Pourquoi ça tire automatiquement là? Il y a un truc que je comprends pas. Ah, putain, merde. On est pas. À la base, c'était pas censé être prévu pour ça, hein, cette arme-là. Ici. Cross sniper, ok. Silencieux, ok. Réflexe. Petit chargeur, sans gadget. Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Ok. À moins que ce soit avec le truc à billes que j'ai tiré. Bah non. Il y a un truc que je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Au moins, on s'en est bien sorti. Ça a été rentable, cette histoire. Bon, progressons. Parce que là, j'ai perdu pas mal de temps juste à aller là-bas. L'antenouette, elle est juste là. Allez, on va pas chercher les noiseaux nosalis qu'il y avait là-bas juste. Putain. Oh, il est essoufflé. Il me rend dingue, ce mec. Allez. Quoi? Quoi? Pourquoi ça fait tout, tout, tout? Ça fait peur, ce truc. Compteur Geiger.
Il y a une putain de radiation ici. Mais je vais faire comment moi pour rentrer là-dedans? Attendez. Ok, je suis dans la merde. Attendez. Il faut que j'aille juste ici. Bah ouais, mais je vais pas avoir de tenue anti-radiation là comme... Ah ok, il y a des nosalis juste autour. Ok. Pardon, je me trompe à chaque fois. Je suis juste à côté. Oh. Mais attendez, mais c'est ultra radioactif ici. Comment je vais m'en sortir moi pour pouvoir récupérer la guitare et tout? Ça va être un peu la merde cette histoire là. Où ça se trouve? Attendez. On va refaire le tour de l'inventaire. Ah oui, non, je peux pas. Ok. Parce que je sais que si, sur l'établi, on peut modifier sa tenue. Pardon. On peut modifier sa tenue. Ça, je le sais. Je le sais, je le sais. Attendez, Medipack, je suis à combien là? Hop. 1. Je peux en fabriquer. 1. 2. Voilà, même 5. Pardon, je me trompe à chaque fois de touche. Hop, tape fermée. Oh putain! Ça, je me planque. Ces trucs-là, c'est fourbe. Il court vers moi. Soit il s'attaque à moi, soit les deux types de nosalis là vont s'attaquer entre eux. Attendez, ils sont barrés. Il y a un truc que je comprends rien. Ok, regardons vite fait la carte. Il faut que je remonte au croisement. Ça serait pas là? Attendez. Allez, go. Cours, Charlot, cours. Et j'ai encore besoin du masque. Voilà. Ça m'a bonnement l'air d'être ici. Parfait. Entrons là-dedans. Oh putain, mec, fais pas ça! Oh, t'es con! Salut, mon frère de sang. Ouais, 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 et ta gueule là, tu m'as fait peur. Ah bah non. Les autres non plus, je fais quasiment partie du décor. On m'a dit que t'allais récupérer une draisine au terminus. On ne peut accéder au terminus que par le fleuve. Heureusement, il y a une barque à quai pas loin. Les fanatiques l'ont laissé là. Là-bas, tu me trouveras que c'est dégénéré de mutants. À première vue, en tout cas. Tu vois, cette station-service, c'est un repère de bandits. Ils piègent les fanatiques. Ces cinglés semblent attirés par le terminus comme les mouches par tu sais quoi. Les bandits en ont capturé 3 sous mes yeux. Regarde ce bâtiment là-bas. Les bandits y enferment les gens en attendant une rançon ou je ne sais quoi. Mais je peux te dire qu'ils leur en font baver. Ça fait 3 fois que je demande au colonel la permission d'intervenir, mais il veut rien entendre. Je peux comprendre ses raisons, mais on a toujours tout fait pour protéger la population de ce genre d'individus. Alors c'est dur de rester les bras croisés. Enfin bref. Tu vois ces ruines? C'est un autre camp de bandits. Ils ont des snipers. J'ai vu le reflet d'au moins une lunette sur le toit. Alors je te déconseille l'attaque frontale. Au niveau du pont, c'est le calme plat. Je n'ai pas vu le moindre type armé se montrer.
Ils attendent certainement qu'on attaque, donc pas la peine de s'occuper d'eux pour le moment. Hey, c'est toi qui décides quand y aller. Et ça devrait être plus facile d'éviter les bandits de nuit. Mm-hmm. En attendant, je retourne à mon poste. Ok. Ah non, attendez, non. Salut, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je vous dis ? Oh, oui, établi. Super. Voilà, comme ça on va pouvoir regarder. Voilà, équipement. Ça c'est bon. Qu'est-ce que Spartiate ? Équipement électrique, on s'en fout. Gilet à compartiment. Protège-bras. Bah, y'a rien de dingue. Y'a rien de dingue. Bon, on s'en fout. Alors, le mec a conseillé d'attaquer de nuit. Déjà, on va recharger la totale. Ok. De nuit, il est quelle heure ? 18h14. Ouais, mais attendez, attaque de nuit, je veux bien être gentil, mais... Je peux notifier le temps que je veux dormir ? La nuit, ok. Putain, tu dors au calme comme ça. Allez, faut qu'il fasse nuit, on va se débarrasser d'eux. Ça risque d'être sympa. Hein. Allez, vas-y mon coco. Quel réveil. Il arrive à se réveiller comme ça, lui, c'est un malade. Ok. Donc là, il fait nuit. Oh, il y a une anomalie. Alors la nuit, les monstres se font plus présents. Mais c'est beaucoup plus simple d'attaquer les bases. Attendez. En train de se balader la machine. Ok. On va attaquer. Déjà ce camp qui enferme des innocents. Ok. Comment on récupère des munitions ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain, j'ai cru que c'était un ours. Je cherchais pas pourquoi, j'ai des problèmes. Ok, allez. On va s'occuper de ces chiens. Ok, très bien, hop. On a les couteaux. Attendez, il doit y en avoir en haut. C'est quoi ça ? C'est pas un lapin, ça ? Il est vachement gros pour un lapin, lui. Ok. Je vais aller là-dedans. Allez, sous le lapin. Oh. Ah, cassez-vous, les araignées, c'est pas possible ça.
Ça va, on arrive à récupérer pas mal de matos. Si je tue un lapin, j'ai pas de succès. Il y a encore un bâtiment ici. On va aller... C'était quoi ce bruit ? On va les faire. Yes. Putain, on récupère du matos. C'est ouf. Ici, il y a... Attendez. Là. Oh, munitions, fusil à pompe. Une. Oh, la tristesse, quoi. Ok. Ici, il n'y a rien. Allez, hop. J'espère juste qu'ils m'entendent pas d'ici. On va aller dans le bâtiment juste là et on va se les faire. J'en étais sûr que c'était une planque. Hop, on lance ça. Eh ben dis donc. Au moins là c'est pas mal. Attendez, je vais faire une save. Comment on sauvegarde? Chargement, sauvegarde rapide. Ah bah c'est bon, c'est en train de sauvegarder. Sympa. Ah, dès que le compteur en bas à droite s'affiche, ça veut dire qu'on est... Ouais, j'essaie de le buter. On va pas jouer au fou. Alors attendez, il y a une porte en bas aussi. Bon, on va passer en haut hein. On va jouer la sécurité. Parce que si j'ouvre la porte et que je me retrouve nez à nez avec 3000 personnes, là, ça va être plutôt compliqué. Donc là, il y a un mec. Ah ok, c'est un entrepôt. Waouh. Ok, ils m'ont grillé. Hey les gars, ce fumier se casse quelque part. On le trouve et on le défonce. Je m'en vais. En train de courir en boucle quoi. C'est un chien ? C'est un chien, sérieusement ?
pèse combien de tonnes ce truc? Ok, ça va être un peu la galère. Je pense qu'il va falloir taper dedans. Hein. Je suis trop sneaky. Oh putain, je l'ai pas vu lui. Je vais te défoncer la gueule, fils de pute. Ah ouais, il rigole pas, hein. J'aurais bien voulu me le taper celui-là. Il me voit pas d'ici. Est-ce que je peux lancer mon couteau de là? Hop là, couché. C'est quoi ce truc dans le passage? J'ai encore 4 couteaux, je crois. Non, 2. Ok, c'est la merde. Écoutez les gars, le fumier est toujours dans le coin. Il faut le trouver avant qu'il se fasse la malle. Arrête de lancer ces merdes et montre-toi! Faut qu'on parte! Sûreté. La sûreté. Ah, il y en a deux là. Il est là, il est là. T'es tout seul. Où il est? Ok. Voilà. On va lui régler son compte à lui là, il m'énerve. Hop là. Je pense que je vais aller le chercher. Hein. Hop là. Lol. Oh. Oh. Pourquoi je peux plus bouger? Ok. Ouh. Ah, il était pas prêt. Allez, pose ton arme, pose ton arme. On... Boum, couché. Oui, j'arrive. 2 secondes, je peux récupérer du matos, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas. Je suis pas un bâtard. Putain, j'en étais sûr en plus en marchant sur ces plaques de bois là que ça allait mal finir. Ok. Ok. Hé, sors-nous de là, pitié. Allez. Ne laisse pas des amis le sang souffrir. Allez les gars, c'est open bar. Que tu sois un hérétique, on priera pour le salut de ton âme pour le restant de nos jours. Ça me fait plaisir. Tu peux prier. Oh. Sympa. Il y a une pièce dans le terminus. On y apporte tous les objets impies pour que le poisson est purifié. Tiens, voilà la clé. Tu es un pêcheur de toute façon, et tu devrais y trouver quelque chose d'utile.
Merci frère. Finalement, c'était une bonne idée d'attaquer ici avant. Silentius va t'excommunier pour ça. Pas si tu ne lui répètes pas, à moins que tu préfères mourir ici, par la lame d'un païen. Bon. Ok. Ok. Je fais un petit peu le tour, hein. J'ai envie de... pourquoi j'ai fait ça ? Oh ! De trouver une amélioration pour votre équipement. Trouver un établi pour l'installer. Ça, c'est lourd ! Bah voilà ! C'est ça qu'il fallait, c'est ça ! Ici, il y a du matos. Ok, on est plutôt bien, là. Ah, c'est cool. C'est cool. Il faut un barbecue dans une bagnole, quoi. Génial. Bon, écoutez, nous, on a fait notre taf. Mais juste avant de partir, la porte est ici. Alors, je vais regarder un truc. Voilà, amélioration d'armes. Ça, viseur, j'en ai un meilleur. C'est quoi ? Viseur réflexe fermé, installé. Boum. Hop, pardon, je me suis encore trompé. L'habitude. Ah, ok, je vois le délire. Allez. Ouvrons ici. Ok, cool. Donc ça au moins c'est fait. Quelle est la prochaine étape ? Alors attendez. Ah oui, je vais juste aller dans la baraque qui est juste là. Pour installer les améliorations qu'on a débloquées. Enfin, l'amélioration, en l'occurrence. Allez, boum. On est parti. Donc, pouf. Gilet. Cartouchière. Stockage de munitions additionnelles. Les sangles réglables assurent un bon confort. Chaque poche dispose d'un rabat individuel garantissant un meilleur maintien des munitions et réduisant le bruit fait par l'utilisateur lorsqu'il est en mouvement. Bah, installé. Installé, mesdames et messieurs. Alors, attendez, je vais juste regarder au niveau des munitions. 53. Ah oui, on est bien. Ça en fabrique. Ça en démonte. Parce qu'on n'a pas de... pardon, c'est F. Voilà. Là, on est bien. Ça... Pff, je l'utilise quasiment pas. C'est un truc de ouf. Hop. Ça en fabrique. Ça, ok. J'ai compris qu'on pouvait les ramasser. Hop. Allez. On est reparti, mesdames et messieurs. Ah là, on est plutôt bien. Ah là, on est bien. Allons donc. Donc, repère de bandits. Mais attendez, mais je l'ai pété. Comment ça se fait, là ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Attends, mais tous les points d'interrogation, ce sont des repères de bandits. On est dans la merde, hein. Ça va être un peu la galère, cette histoire. Oh putain, il m'a fait peur, ce lapin, là. Faudra vraiment que je le bute, hein. Est-ce que je tente l'endroit où il y a à peu près la croix, sachant que c'est un peu la merde, hein. Le mec nous avait dit qu'il y avait des snipers et tout. Ou est-ce que je tente un petit peu plus à droite, par là? Alors attendez, on va monter pour se repérer un petit peu, hein, parce que là... Là, rien ne va plus. Allez, hop, 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 hop. Il est déjà essoufflé, cet enfoiré. Ah, c'est ici. Ok. Donc là, à ce que j'ai compris... Là, il y a des snipers, mais par contre... Oh ! Tout ce qu'il y a est la seule... Attendez. Il y a un truc qui va pas, là. Là, il y a plein de trucs comme ça. La seule entrée, ça a l'air d'être... Par la barque ? C'est une blague. Pas par la barque, quand même. Attendez. Oh, putain, si. À la barque. Ouais. Ouais. Bah, sympa. Je veux bien tenter là-bas, mais le problème, c'est... Je vais devoir affronter ces bestioles-là. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est relou, ça. Oh là là, il y a Big Mama là-bas, là.
Est-ce qu'on peut rentrer dans ces camions? Ouais, non, je sais pas. Ah ouais, non, mais je tombe sur l'autre, là. Je vais être mal barré, hein. Comment allons-nous procéder? Parce que là-bas, attendez, là j'ai un accès direct ici. Ici j'ai un accès. Bah attendez, mais moi je vais aller là-bas, je vais pas chercher plus loin, hein, c'est pas possible. Oh putain. Ok, il y a une anomalie. Merde, j'ai entendu. Casse-toi. Voilà, couché. Ah putain, je vais me faire soulever. Ah, c'est des rats vraiment chelous. Hein. Attendez, attendez, je joue doucement. Putain, mais ils sont complètement tarés ces trucs là. Je vais contourner, ils sont complètement dingues. Allez hop. On joue la sûreté, ok. Lire. Nouvelle note. Oh là là, tout ce que je loupe, c'est incroyable. Hein. Oh, un silence. Oh là là, mais attendez, mais moi je prends ça. Moi je prends ça, mesdames et messieurs. Oh, yo, yo. On va installer ça juste après. Oh, une photo. Ah, c'est le pont, ok. Sympa. Rien d'autre d'intéressant ici. Ah, rien d'autre. Hop. Allez. On va pimper un peu cette histoire. Boum. Attendez, c'est avec ça. Viseur. Canon court et silencieux. Canon court et crash flamme. Ah, j'avais installé ça. Allez hop, ça je prends. Ok. Un petit peu dans un piteux état, hein, l'autre machin. Munitions, ça faut que j'en fasse. On va faire 1, 2, comme ça on est sûr. Lui c'est tranquille. Ok, on est parti. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il ne faut pas bouger, faut pas bouger. J'ai 3 Medipacks. De toute manière, je peux en refabriquer. C'est pas... Oh, je l'avais pas vu lui. Ah mais va y avoir des mutants comme ça là? Non mais les gars, arrêtez. Je peux pas monter comme ça, je suis deg. Attendez, là ça risque d'être un peu le bordel cette histoire là. Putain. Faut que j'aille là-bas. Non mais les mecs.
Putain, ils étaient combien là-dedans, là ? J'ai plus de balles, j'en peux plus. C'est un truc de ouf, comme les balles partent vite. Par contre, c'est que ce bruit. Ah, c'est le... C'est Big Mama, ok. Bon, bah, faut refaire des munitions. Ah, oh, putain. Ah non, je peux même pas. Ok. Bon, je vais jouer à la sécurité. J'ai que 11 balles, non mais arrêtez quoi. Ne me dites pas qu'il y en a d'autres. Putain. Allez, discret. Ok. Faudrait que je puisse monter. Hop là. Ninja. Attendez, ils sont tous dans le bâtiment là ? Bon, attendez, je vais redescendre. Ah, y a pas une entrée ? Ouais, non. On va pas chercher. Allez, hop. Ça c'est bloqué, ok. Est-ce que ça va sortir ? Ouh. Ok, attendez, je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Par contre, le problème c'est que j'ai cru avoir entendu des bruits de pas. Alors est-ce que c'était de l'intérieur ou est-ce que c'était de l'extérieur ? C'est ça la question. Ah non, c'est bon, c'était de l'intérieur. Oh ! Cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. En train de me dire que les deux couteaux sont passés à côté du mec. C'est une blague. C'est
c'était une grosse blague. Attendez. Ça, je peux le péter. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autre chose aux alentours. Ok. Hop, on ouvre ça. Ça m'intéresse. Ok, j'ai chopé une nouvelle amélioration. Ça, je jette. Ça, je prends. Oh là là, dinguerie. Oh là là, tout ce que j'ai. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ah, c'est très très bien, ça. Ah, je suis content. Ah, là, je suis content. Ok. On va éteindre le feu. On va se mettre plus ou moins en sécurité. Ah, non, je peux même pas fermer. Il est bon à mettre à la veine. Regarde, la cassette tourne, mais on n'entend rien. Avant que ce soit des piles. Hé, les connards, vous avez des piles neuves, non? L'électricité est empêchée. La technologie ainsi est empêchée. Ferme ta gueule, ta merde. Oh. Peut-être comme ça, qu'est-ce que j'en sais. Incroyable. Ça change rien. On ferait peut-être mieux d'échanger contre un truc bien avec les gars. La cassette tourne et tout. Ça, personne voudra d'une babiole qui marche pas. Oh là là, incroyable les mecs. Alors attendez, je vais monter, je vais mettre à l'étage, on va se mettre safe. Et on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Hop. Allons. Oh, attendez, je crois que c'est un nouveau viseur ou je rêve? Pas du tout. Ok. Lui, est-ce que je peux mettre... Bah non, je peux même pas. Putain, il y a des viseurs différents en plus, c'est incroyable. Bon, ok. Wouah, vénère. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que voilà, cet épisode vous aura plu. Bon, ce sont des épisodes longs, c'est normal. Hein. Pour moi, un gameplay doit avoir au moins le mérite d'être joué... Enfin, comment dire... Le gameplay d'un jeu mérite d'être vu en entier parce que justement c'est le jeu, il faut faut profiter de la totalité du jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Cities Skylines ou sur Metro Exodus encore une fois. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!